Et plouf, dans les dents! Le puissant requin approche de sa proie. Et on frappe! Vers les profondeurs insondables! Je vais leur creuser une tombe aquatique. Salutations invocateurs et bienvenue dans la League of Historia. Aujourd'hui nous étudions un champion qui vit dans la mer, qui vivait dans une cité secrète que personne ne connaissait, une cité qui était impossible à voler. Je parle bien sûr de Fizz, le filou des mers. Fizz étant caractérisé comme étant un assassin secondaire combattant. Fizz est donc pas un poisson, mais on peut dire qu'il part de cette base là. Ses compétences sont combattant agile, frappe de l'oursin, trident marin, joueur filou, pêche en gros. Il utilise son trident qu'il a ramassé dans sa cité pour pouvoir combattre et utilise aussi les magies de l'eau pour lutter dans la League of Legends. Je suis prêt! Son histoire. Allez, on y va! Il y a de cela des siècles, une antique civilisation aquatique bâtit une cité secrète sous la montagne dans l'océan. Ces créatures avaient de nombreux ennemis, mais leur cité était une forteresse inexpugnable. Et, s'y sentant en sécurité, elles finirent par ne plus la quitter. Fizz, toutefois, était habité par la curiosité et il ne pouvait se satisfaire d'une vie si tranquille. Incapable de résister à l'appel du danger, Fizz avait pris l'habitude de sortir en cachette de la cité en quête d'aventure. Au fil de ses sorties, Fizz devint un puissant combattant. Prompt à esquiver le danger. Aquatiquement. Un jour, alors que Fizz rentrait d'une nouvelle aventure, il découvrit la ville mise à sac. Son peuple avait disparu sans laisser de traces. Plus rien ne le retenait dans la cité. Fizz récupéra un trident enchanté dans les ruines et partit seul à l'aventure. Des années durant, Fizz arpenta l'océan utilisant les compétences qu'il avait acquises dès sa plus tendre enfance pour survivre. Enfin, Fizz découvrit le port de Billgrater. La ville en surface le fascina tant qu'il ne résista pas à l'envie d'explorer l'île. Sa curiosité, sans borne, poussa Fizz à se mêler par inadvertance aux affaires des humains qui vivaient là, et sa présence ne manqua pas d'être remarquée. Ses méfaits mirent en colère bon nombre de résidents qui décidèrent finalement de le capturer ou de le tuer. Acculé, Fizz se préparera à retourner dans la mer, malgré la profonde affection qu'il avait développée pour Billgrater. Alors qu'il se tenait près des docks, un énorme requin dragon attaqua le port. Fizz triompha du monstre, fort de son expérience et sa parfaite connaissance des faiblesses de la créature. Il gagna ainsi la gratitude et le respect des humains et décida de rester à Billgrater. Vous voulez voir un tour ? Sans crainte ! Il a ensuite rejoint la League of Legends pour encore mieux servir son nouveau foyer. Comparé à Fizz, même le plus féroce des loups de mer de Billgrater a l'air d'un ivrogne malhabile. C'est une bonne chose qu'il soit de notre côté. Miss Fortune, chasseuse de primes. J'ai toujours un bond d'avance. Une histoire fort intéressante et fort captivante d'ailleurs. Alors, j'ai tout de suite pensé à l'Atlantide. Donc l'Atlantide, bien sûr, qui est la cité perdue des... Pas des anciens, d'une civilisation ancienne. Donc il y a de cela des siècles, une ancienne civilisation aquatique avait bâti une énorme cité sous une montagne, donc dans l'océan. Elle était tellement fortifiée que les habitants décidèrent de ne plus jamais sortir, donc ils vivaient en autarcie. Bon, donc ils s'alimentaient eux-mêmes, ils arrivaient à vivre sans pouvoir sortir, sans en sortir. Et en fait, Fizz avait le goût de l'aventure et a décidé de partir de cette cité. Et un jour, en fait, il est revenu dans sa cité et la ville a été mise à sac et sa civilisation avait disparu. Donc il y avait tout qui a été dévasté et il n'y avait aucun cadavre, il n'y avait personne. Donc on ne sait pas ce qui est devenu. Ce qui est devenu cette ville, ce qui est intéressant d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas du tout qui a pu attaquer une forteresse si grande.
ce qui est assez étrange. Donc Fizz est parti tout seul, il a essayé, donc il est parti à l'aventure dans les océans, et un jour il a décidé, en arrivant sur Bilgewater, d'aller sur le rivage et de voir un petit peu ce qui se passe avec les humains. Il s'est porté en affection par rapport aux humains, mais il faisait trop de bêtises, donc à mon avis il devait voler ou des trucs comme ça. Au bout d'un moment, les humains ont décidé de le tuer ou de le chasser. Et il n'a pas eu le choix, il a voulu retourner dans l'océan. Au moment où il voulait retourner dans l'océan, il y a un requin, dragon, gros machin, qui a attaqué le port. Et évidemment, Fizz, qui connaissait ce monstre, a réussi à le tuer. Donc à mon avis, les gardes de Bilgewater n'avaient pas réussi. Du coup, les habitants de Bilgewater étaient fortement reconnaissants que Fizz ait sauvé le port et les habitants. Ainsi donc, Fizz a un nouveau foyer qui est Bilgewater. Et apparemment, il doit être ami avec Miss Fortune. Vous ne m'attraperez pas! Nous avons pas beaucoup de petits détails, mis à part ses amis et ses ennemis. Donc ses amis, nous pouvons compter sur Nami. Une vague peut en cacher une autre. Nami qui est bien sûr une personne qui vit dans l'eau. Donc je sais pas, il a dû la rencontrer ou c'était peut-être une autre de sa civilisation. J'ai pas encore étudié son histoire, mais ça peut être intéressant. Et dans ses rivaux, nous avons Nautilus qui est un être, une sorte de titan qui est sorti des eaux et qui veut tout détruire sur son passage. Donc c'est peut-être d'ailleurs Nautilus qui a détruit sa civilisation. Donc nous allons étudier ça, vu que nous avons lancé un petit peu un nouveau champion dans un nouveau royaume. C'est encore un peu flou, le monde des océans, on n'y a pas encore vraiment touché, mais ça va venir. Voilà pour ce champion, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à aller voter sur mon site internet pour le prochain champion. Salut et bye! Ça va faire splash! Ok, c'est parti! Requin! Installer au pif, hein. Franchement, c'est n'importe quoi. Mon dieu. Là, je pense que je vais installer des archeries. C'est quoi ça? C'est quoi ce bruit? Ah non! Tiens, il y a un oiseau là. Il a pas envie de s'envoler? D'accord. Il y a un dromadaire là.